votre pire expérience homosexuelle. Vous savez que la grand-mère de Christian Vadim s'appelait Hardilouze. Et Benoît Haute de Verdun a entendu ça la semaine dernière dans l'émission et il m'a envoyé un mail avec une idée d'interview qui s'appelle l'Hardilouze. Bon, l'Hardilouze, c'est que des trucs de loose. Votre pire passage télé, à part celui-là ce soir, c'était quoi? Ouais, c'était le dernier. Très bien. Votre pire cuite? Jamais. Ah bon? J'ai une phobie du vomi, donc jamais je vais boire pour pas être malade. C'est bien ça. C'est bizarre. C'est une chance. Ben, je sais pas, mais bon. Et toi, c'était quand? La champagne ce soir. Ce soir, bien. Et vous, je vous demande pas, c'était la veille de la demi-finale? Vous avez vu le résultat? Oui, on a vu le résultat. Bien. Votre pire mec, Sophie? Mon pire mec? Ouais. Xavier. Ouais. Ben, ce serait ça, oui. Ah, c'est Xavier de Fontenay? Non, ce serait qui? Bah, le pire de tout, ça serait celui avec qui on apprendrait qu'il a déjà quelqu'un, qui m'a caché. Ça vous est arrivé, ça, déjà? Qui t'a fait ça? Non, c'est un mec de la télé, ça. Non, non, arrête, arrête. Tu comprends pas. Laurent. Basse. Laurent, c'est un mec de la télé? Non, mais très connu. Votre pire souvenir? Mec de la politique. Mon pire de gauche. Souvenir. Qui était ministre? Quand vous étiez dans l'hôtel, l'hôtel ouais, Campanile avec Madame de Fontenay. Non, 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 un truc, bon, c'est pas vraiment le pire, mais l'événement, on se demande qu'est-ce qu'on fout là, quoi. Ouais. C'était comme un salon, c'est pas le salon de l'agriculture, mais c'était une foire. Ah, le stand Pirelli, au salon non, de l'ameublement. Y a eu, non. Je connais toute sa vie par cœur. Non, non, mais on était dans la boue, il faisait super froid, et j'étais au milieu des vaches et tout c'est ça, la toute la journée. Disait, qu'est-ce que je fais? Voilà, à un moment donné, on se dit, mais qu'est-ce qu'on fait là, ouais, quoi. D'accord. Voilà. Votre pire expérience homosexuelle? Il n'y en a pas. Y en ça a toujours été réussi? Non. Non, mais je sais pas. Il n'y en a pas eu, donc ça ne peut ouais, pas être. Oui, tu te fais rire, toi. Votre pire moment avec Geneviève de Fontenay? Bah, c'était... En fait, on n'était pas ensemble, mais c'est ce qui s'est passé après la sortie du livre, tout ce qui a été dit. Ça, ouais. C'était un moment assez dur à vivre. Le moment le plus moyen de toute ta carrière? Maintenant. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditude, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.